Bonjour à toutes, bonjour les golfeuses et les golfeurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog à la découverte du golf Marcel La Salette sur le retour. Je joue en compagnie de Fred qui arrive et là on va attaquer le trou numéro 10 avec l'étendue d'eau. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez voir l'allée qui est parue la semaine dernière. Allez, bon golf à tous. Donc là, il y a l'étendue d'eau. Pour la passer, c'est chaud bouillant. Là, t'es safe, c'est ça? Ouais, ça va aller. Allez, on va voir ça. Ah non, pas du tout. Ah, ça va revenir, ça. Ah ouais, ça va être là. Mais je l'ai complètement... Bon, il n'y a pas de casse. Non. Je l'ai cuté, je vois quoi. Mais c'est un bon mauvais coup. Voilà, donc drive un peu cuté. Alors on est sur un par 5. Bon, je me suis mis à droite. Voilà, faut pas s'affoler. Je vous mets le score de l'allée. Pas moyen, quoi. Mais on va plus me jouer. Mais bon, je sors des bons coups de fer. Je suis assez content. Allez. C'est reparti. Allez, je vais me remettre dans l'axe du jeu vers là-bas. Elle est où? Elle est là. Voilà. Bon, elle est partie en bas à droite. Ça doit aller. Alors, le green, il est où là? Ouais. Il est ah ben. Je peux pas jouer, il y a les gens là. Ouais ouais. Bon, je dis pas que je vais l'atteindre, mais on sait jamais. Il y aura un malentendu. Il est beau celui-là, tu vois. Celui-là m'a plu. Ouais, je pense, ouais. Il est bien parti, bien contacté, faire 6. Pas possible, c'est cheap là. On peut pas faire ça d'entrée. Ouais, bon, bah, tu veux pas me le péter pour moi? Tu veux, hein. Mais tu sais, j'y arrive deux fois, c'est un exploit. Hein. Ah, trou 11, bon, c'est tout droit, c'est au fond, on va driver 286 mètres. Celle-là, ouais, hein? Celle-là, c'est bon. Celle-là, elle est validée. Vol. Ah, oh, je suis court. Je suis dedans. Vaut mieux le dire après. C'était faire. C'est important. Elle est bien claquée. Hein. Elle est bien claquée. Un bon drive, un bon service. Malheureusement, court. J'aurais dû jouer faire 7 là. Putain, mais j'ai fait la même tout à l'heure. J'ai fait la même tout à l'heure, c'est terrible ça. Touche. Ah là 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 là, c'était là. Ah là là. Ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, double. Une approche de merde. Trou 12, c'est le trou signature celui-là, non? Je crois, non? C'est pas mal.
125 au milieu. Voilà, tu peux pas y aller, hein. Oui. Ça va, ça va. En bas, je pense, non? En bas à gauche. Ouais, je pense qu'elle est en bas à gauche, oui. Oh, facha, oui, j'ai bougé ma tête. Oh. Moi, c'est mort, là. Hein. La même. Un peu moins, mais qu'est-ce que j'ai, là? Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, là je me suis complètement déréglé sur ce coup de fer. Bizarre. Bon. Bon, je retrouve ma première. Je vais faire ce que je peux pour filmer. Attention à vous quand même, hein. Oh là là, je finis. Allez, 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 allez. Ouf. Allez, trois potes, cinq, double. Oh là 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 là. C'est beau par. Bon, double sur ce par 3. Je sais pas, je me suis déréglé sur mon coup de fer. J'ai retrouvé ma première. Mais... Bon. Allez, on continue. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement qui fait un temps magnifique. Partie de fou. Allez, trou 13 par 5, gros dos de leg, on rejoint le 4 en fait, gros dos de leg gauche, et les jaunes sont enlevés par les blancs. Ah, je suis au milieu, fairway. Ah, c'est bon, ça va. Baptisé. Ah mince, pardon. C'est vrai que j'en ai senti sur la casquette. Et... On m'a dit il faut prendre de la terre. Oui, ah bah oui. Si tu prends pas c'est moi ça. C'est moi ça, je pense. Ouais. Ah, c'est une bonne escalope pour la 12. Non. Oh, ça sera là. Ça va. Allez, 95. Je fais un coup de pitch. Ah non. Non, 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 non. Là, vous savez quoi? J'ai un peu la fatigue, là, je le sens. Portez le sac. La fatigue qui se ressent. Ouais, merci, mais je sais pas trop comment c'est derrière. Aujourd'hui, j'aurais pas réussi au petit. Ah, si, je sais pas, j'y arrive pas. Ça fera double. Deux potes. Ça fera double, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5,
27 sur le par 5. Trou, c'est le combien? 14. Allez, par 3, 130 mètres. T'as l'honneur, vas-y, vas-y. Ah, ça, allez, restez là. Moi aussi, je la gratte. Ah, elle est juste là, je l'ai grattée. Fatigue, je tourne plus. Fatigue, je tourne plus. Ouais, dans un trou, je sais pas. Bon, là, on est au 14. Porter le sac à la salette. Moi, il fait bon. Mais bon, je suis fatigué un peu. Je sens que mes coups de fer, ça va moins bien. Alors que j'ai été vraiment bien sur mon coup de fer. Le drive, ça tient encore. Par contre, c'est les approches. Faut vraiment que je bosse ça, Steve. C'est pas possible de faire des doubles pour les approches, vous avez vu. Bon, allez, n'hésitez pas. Le commentaire, le pouce bleu. Et dites-moi ce que vous pensez de ce parcours de la salette. Pour ceux qui l'ont déjà joué, les amis marseillais. Voilà, allez, bon, on continue. Ouais. Putain, je l'ai vu 10 fois que je passais à côté. Ah non, mais les greens, le putt aujourd'hui, c'est même pas la peine. Double. Bienvenue sur le trou 15 par 3, 135 mètres. On a un vent en contre là, ouais. Allez, on va essayer de mieux le gérer que le 14. Allez, vol. Je suis couché avant ? Je crois que... Ok. Ouais, j'ai pas vu. D'accord. Ok. Bon, elle est claquée. Il y a le vent, hein. Je pense que j'ai pris du vent. Je pense que j'ai pris du vent. J'ai dû prendre du vent parce que... En avant, contre, exact. Alors, regardez les petites ânes. Ah. C'est sympa, ça. Oh non, topé. Ah, très long. Allez, on va essayer de serrer les approches, hein, parce que ça va pas. Arrête-toi. Allez, ça va faire le petit tour. Ah bah ouais, moi le bord droit, bord gauche. Ah, deux potes, non, cherchez pas, c'est aujourd'hui. Ouais. Trou 16 par 4, donc gros dodleg droit. Ah bah voilà, il faut driver dans cette zone. Oh. Hop, elle est passée derrière. Elle est sur le plateau derrière où il y a les ânes. Sur le plateau du mur. Ouais. Balle ! Je l'aurais mis en plein sur elle. En plein sur elle. Tu la vois? Putain, je l'ai mis en plein sur elle. Ah non. Bon, allez, on tente le tout pour le tout.
Ça passe ou ça casse, ce trou-là. Ça passera pas. Ce trou, il a pas voulu, de toute façon. Allez, ça sera une croix, parce que là, il y a du monde derrière. Je vais pas passer là, il y a du monde derrière. Je vais vous filmer comme ça, je vais me rendre. Je peux pas trop continuer, ça fera croix sur celui-là, désolé. Voilà, vous avez la vue de derrière. Départ, on était tout là-haut. Dommage, c'est mon drive qui me met dedans. Mais là, un peu la fatigue, là. On est au 16. Ouais, on est un peu fatigué, là. Je suis au 16. C'est un peu dur, là. Il y a les ânes. Ouais, bon, j'espère que ça vous a plu, mais portez le sac, là. Donc, je pense pas que j'ai briqué les 100, j'ai pas le score. Vous le voyez là, mais je suis un peu... Voilà, mais sinon, super golf. L'entretien est au top. Il fait super bon. Pour le mois de décembre, partenaire de jeu au top. Voilà, on se régale. Allez, au moins je vous montre la fin du parcours. Voilà, sur la lumière, et là vous arrivez sur la vue. Alors, on arrive pour près 17-18. Voilà, là c'est le green. Très long par 4. Bon, je le joue pas. Vous avez vu, je suis un peu mort. Et là-bas, on va avoir le... Allez, trou 17. Il est tout droit ou c'est un dodleg? C'est un dodleg gauche, hein? C'est ça. Allez, et ça s'est un petit peu rafraîchi. On a mis la veste. Ah, c'est bon. Allez-y, 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 allez-y. Bah tout à l'heure je l'ai claqué pareil, mais il y avait un arbre et... deux meufs et un arbre là. Bon, j'ai mis un bon drive pour finir sur ce par 5 du 17. On va se placer là-bas au niveau de l'arbre. Voilà, pour pouvoir attaquer le dodleg. Ouais, merci. Ouais. Ouais. Bon là je finis bien sur ces deux shots là, un peu déçu du trou d'avant de... En fait le drive qui me met dans les bois et après bon, je le gratte deux fois donc temps un peu de se reprendre de tête là pour bien finir sur le 17-18. Voilà, content de ce second shot. Allez, n'oubliez pas un commentaire, le pouce bleu et tout. Ça s'est rafraîchi, j'ai ressorti le pull. Ouh, je la vois pas du tout. Ok, je l'ai pas vu du tout avec la luminosité. Ça m'a plu. Ah bah si je m'en vais aux approches au 17, pourquoi pas aller, j'ai pas de pourpart là. Petit part pour finir, ce serait bien. Enfin un par. Et enfin un seul putt. Ah, je fais le par là. Ah, ben enfin. C'est mon premier par. Voilà, enfin un par. Ben voilà. Dès que tes coups de fer ils sont bons, que ton approche elle arrive près du mât et que tu fais un putt, ben, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est logique, ça va tout seul. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et tout et tout. Allez, on va attaquer le 18 là. En pente, tu reviens sur les parkings, vous allez voir ça. Allez, trou 18. Voilà. Alors c'est un départ que tu mets des rouges. Combien? 80, 85. 80 au pied du drapeau. Voilà, exactement. Il prend la descente ou pas? Non, il faut rajouter. 60. Oh putain, c'est quoi 60? Elle est grattée. Complètement grattée, mais elle y va. Elle avance.
Ça va pas y aller. Ouais, vas-y. Tiens, j'aurais réussi à doser au 18. On fera boguer pour le 18. Bon, les golfeuses et les golfeurs, voilà, c'est terminé ce vlog sur le retour du golf de la Salette. Bon, vraiment un golf très physique quand même, hein. Je suis un peu mort à avoir porté le sac. Très bon entretien, il a fait un temps super. Bon, mon jeu, très content de mes drives et de mes coups de fer. Faut que je travaille les approches et le putting. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures. La bise et bon golf à tous.